C'est vous qui le dites, le micro-baladeur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici votre micro-baladeur et cette question. Quel regard vous portez sur le métier d'enseignant? C'est la question et voici vos réponses. À vous la parole, le micro-baladeur. Juste savoir ce que tu penses du métier d'enseignant. Est-ce que c'est un métier que tu aurais voulu faire? D'enseignant. Quel regard tu portes sur ce métier-là? C'est un beau métier, hein, être enseignant. Enseigner, c'est transmettre. Voilà, c'est transmettre des savoirs à des enfants et surtout du primaire jusqu'au... Voilà, pour moi, c'est un très beau métier. Et puis, il faut aimer aussi. Ah oui, comme tous les métiers, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. Mais celui-là particulièrement parce qu'il se fait avec des enfants. Oui, parce que c'est avec les enfants, il faut aimer. Si je dis qu'il faut aimer ce métier, ça veut dire qu'on s'intéresse aux enfants, on aime les enfants et on a quand même ce côté protecteur pour les enfants. Et donc, voilà, et de pouvoir les enseigner tout ce qu'ils ont besoin, c'est un plaisir. Tu aurais pu être enseignant toi-même? Oui, mais bon. Après, ouais. Je me suis orientée ailleurs. Il y a eu un autre couloir, tu l'as pris. Mais j'étais enseignante à la maison avec mes propres enfants. C'est ça. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Bonne route. Vous en prie. Quel regard, toi, tu portes sur le métier d'enseignant? Est-ce que tu aurais pu être enseignante, toi? Non, je ne pense pas. Non? Déjà, ça va être dur d'enseigner et puis aussi pour les élèves, pour les faire, les faire comprendre, ça va être dur aussi. Ouais. C'est un véritable métier, c'est ça que tu veux dire. Ça, oui. Tu ne serais pas vu le faire. Toi, tu te comportais comment avec tes enseignants? Sage? Oui, sage. Ah oui? Des fois, pas trop. Ouais. Oui. Des fois, j'aimais bien plutôt me mettre au fond de la classe pour ne pas être interrogée. Oui. Et ça marchait ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est toi qu'on interrogeait le plus. Oui. Ouais. Comme je me cachais. Tu as toujours eu quand même une bonne relation avec les enseignants. Oui. Oui, là, en ce moment, je les croise, je les dis bonjour, on se parle un peu. Hein. Tu as des enfants donc? Non, pas du tout. Non. Ah, tu croises tes anciens. Oui, tes anciens enseignants, mes anciens profs de lycée, de collège. D'accord. Ah, c'est bien, ils te reconnaissent, ils prennent des nouvelles. Oui. Ils me reconnaissent que par le visage, pas le prénom. Ouais. Pas leur demander de retenir tous les prénoms non plus. Hein. Maloulou pour le partage. Je t'en prie. Et bonne route, merci. Allez, moi. Le micro-baladeur.